Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. S'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais.
Saint-Esprit, viens et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Viens, Saint-Esprit, viens et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur. Ta puissance, purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur. Oh, tu es cette eau vive, tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, nos cœurs, élevons nos voix. Lâche tout et laisse le Saint-Esprit venir en toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens et règne en nous. Viens et règne en nous.
Connaissance. Ah, il y en a plein. Qui est dans la tristesse? N'ayez pas honte, on est là tous ensemble. Ma sœur, on est avec toi. Qui est dans la joie? Amen. Qui est dans la paix? Quelqu'un est dans la colère ce soir? On peut être derrière l'écran. On est avec toi, mon frère, ma sœur. En tout cas, moi, je suis pleine de reconnaissance et j'ai envie de bénir le Seigneur avec vous tous. Je me réjouis de passer ce merveilleux moment dans sa présence et de pouvoir faire monter vers lui des belles louanges qui seront le toucher. Amen. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois Seigneur. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire. Toutes choses.
choses à merveille. Sois ma louange. Alléluia. Toi qui connais nos cœurs, le Dieu de l'impossible, sois Seigneur. Sois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Yeshua, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Yeshua, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. On va le rechanter. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois. Quel ami.
Maintenant, tel que nous sommes, parce que tu connais tout de nous. Nous ne voulons pas faire semblant. Nous ne voulons pas être des Saphira ou des Ananias, mais nous voulons venir tel que nous sommes. Seigneur, tu connais tout de nous, nos faiblesses, nos détresses, nos tristesses, nos colères, mais également nos moments de joie. Tu sais également ce qui bout en nous. Tu sais les dons, les qualités que tu as mis en nous. Tu sais nos rêves. Ô Seigneur, tu sais nos incapacités. Tu sais également nos limites, mais avec toi tout est possible et nous voulons te bénir. Oh, quel ami fidèle et tendre, quelle grâce de t'avoir, quelle grâce de t'avoir, dis-lui. Oh, quelle grâce extraordinaire de t'avoir dans nos vies. Toi qui nous as choisi le premier, oh Dieu, toi qui ne détournes pas ton regard de nos faces. Oh Seigneur, toi qui connais le nombre de cheveux qui sont sur nos têtes. Quelle grâce de t'avoir comme ami. Oh mon Jésus, mon frère, mon sauveur, mon Seigneur, mon Dieu. Gloire à ton saint nom. Nous t'aimons, nous te bénissons. Tu es tellement bon. Tu es
Tu es tout seul.
lo canto soli aramel, curi aramel, shikarabayen, yarabari aroso. Louange, reçois notre adoration. Thank you.
fois ensemble. Moi quand je prononce ton nom, toute chair se brise. Je sais que tu peux tout faire. Amen. Quelle joie de vous retrouver en vrai. J'avais la joie de vous voir sur petit écran, mais vous voir en vrai, avoir votre odeur, parce que vous sentez bon, ça fait toute la différence. Jean-Marie, te sentir. Ah, chers amis internautes, vous ne savez pas ce que vous loupez. Quelle grâce de pouvoir servir le Seigneur ensemble. J'aimerais peut-être avant tout vous apporter les salutations de l'Église qui se trouve dans le bassin d'Arcachon, que nous avons eu l'occasion de visiter. Et je bénis Dieu pour ce qui se fait, je bénis Dieu pour ce qui se passe. Un bonjour également de l'Église Momentum qui est à Bordeaux, que nous avons aussi eu l'occasion, j'en profite un peu pour... lorsque je suis ailleurs, me reposer et me laisser bénir à mon tour. Maintenant, ce que je crois, c'est que le pays est devant de grands défis et il nous faut relever le défi pour que l'Évangile soit annoncé. Notre grand défi à nous, ce ne sont pas tous les débats publics qui ont lieu, notre grand défi à nous, c'est de faire connaître Jésus à toute la création. Dis-le à ton voisin, ton grand défi, ce n'est pas tous les débats qu'il y a, ton grand défi, c'est de faire connaître Jésus. C'est ça ton grand défi. Alors, nous avons évidemment la joie d'être maintenant dans la deuxième saison dont s'y retrouve. Et j'ai une bonne nouvelle, puisque certains s'y étaient un peu perdus. Avec On s'y retrouve, on peut s'y perdre et s'y retrouver. Mais vous allez nous y retrouver sur la chaîne de la Porte Ouverte dès vendredi soir. Chaîne YouTube Porte Ouverte, vous cliquerez dessus et nous serons présents sur la chaîne. Donc finalement, vous allez retrouver vos anciennes habitudes. Alors, n'hésitez pas, je crois que le thème est excellent et nous nous retrouverons à cette occasion-là. Dimanche, nous nous retrouverons ici, je ne fais pas tout ce que vous savez maintenant par cœur, je suis sûr que vous pourriez faire les annonces à ma place. Tellement vous avez entendu tout ce qu'il faut faire. Donc je ne vais pas le répéter. Nous aurons la joie d'aborder le thème à nouveau, discerner ou entendre la voix de Dieu. Et comment la discerner? Et je crois que nous allons pouvoir progresser ensemble. Donc chers amis internautes, soyez là et laissez-vous bénir. J'aimerais rappeler que le mardi, il n'y a pas encore d'accueil des enfants. Voilà, sinon, jeudi le 16 septembre, il y a la reprise... des boomers. Alors les boomers, c'est les seniors de plus de 65 ans. Donc vous vous retrouverez à 14h dans la salle... Enfin bref, vous avez l'habitude d'y venir, vous la retrouverez. Alors il y aura bien sûr toutes sortes d'animations et ce sont toujours d'excellents moments. Je n'ai pas encore le droit d'y aller, mais bientôt. Un jour, Dominique, tu auras le droit d'aller chez les boomers. J'aimerais également rappeler que pour Génération Enfant, cela a été annoncé, il y a à nouveau une nouvelle saison et nous avons aussi régulièrement besoin de moniteurs qui se joignent. Donc dimanche, il y aura encore une fois la possibilité dans le hall d'entrée de vous présenter. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Vous savez, le travail qui est fait parmi les enfants est un travail précieux. Écoutez bien. Lorsque vous plantez un petit arbre et que vous lui mettez tout de suite un tuteur, vous allez l'aider à grandir droit. C'est parfois dommage d'attendre qu'il soit tordu pour ensuite passer des années à essayer de redresser ce qu'on aurait pu faire tout de suite, grandir droit. Eh bien, j'aimerais vous dire, chers amis, vous qui vous engagez parmi les enfants, vous êtes
et vous faites partie, entre autres, bien sûr que vous n'êtes pas seul, de ceux qui leur permettent de grandir droit. Et ça, c'est peut-être la mission la plus précieuse que l'on puisse avoir. Nous, on se donne beaucoup de peine pour que des personnes qui se sont éloignées, qui très souvent sont loin de Christ, reviennent et ils arrivent et il faut les aider à se redresser en Christ. Nous pouvons éviter cela en permettant à nos enfants de grandir droit. Est-ce que vous priez pour ça? Qui prie pour ça? Et on n'est pas tellement nombreux à prier pour ça. Je crois que ça devrait être un fardeau et un souci beaucoup plus important dans le cœur, en particulier des anciens. Nous sommes parents, nous sommes grands-parents, et mon souci, c'est que là, tous les 15, les 16 là, qui sont là, qu'ils grandissent droit. Qu'ils grandissent droit. Que Dieu, vraiment, eh bien, vous mette ce service à cœur et que vous puissiez le faire de tout votre cœur. L'orchestre... Cela a été dit plusieurs fois maintenant, mais recrute des musiciens, des lecteurs. Donc voilà, vous vous adressez simplement à Lynn ou sur le site. L'Institut JSP cherche des bénévoles à l'aise avec les outils multimédia, pardon, environ 2 lundis par mois et 1 samedi par mois. Merci de vous adresser à Géraldine. Là aussi, direction @institut-jsp.com. Merci d'avance. Là aussi, eh bien, c'est un excellent travail qui se fait et nous avons besoin de frères, de sœurs qui puissent s'investir dans la technique. Pour terminer, vous l'avez entendu plusieurs fois, mais si vous désirez vous engager dans les eaux du baptême, adressez-vous à l'un des pasteurs et ensuite nous aurons le plaisir de vous accompagner dans le baptême. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, nous avons la joie d'accueillir Claude et c'est lui qui nous apporte le message. On pourrait l'accueillir ensemble. Merci. On n'a pas le droit de se faire de bise de près. Vivement. On les fait à distance. Vivement que ça change. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. C'est un plaisir de passer ce temps dans la maison de Dieu. C'est toujours une joie d'être dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? De passer du temps à l'adorer, de passer du temps à écouter sa parole, aussi de retrouver les têtes. Dominique, j'ai plaisir à te revoir, un peu plus bronzé que d'habitude, hein. C'est très bien, avec ton mari, un peu plus reposé que d'habitude. On se réjouit de vous retrouver tous les deux et tous les autres qui sont de retour, de vacances. Bonsoir à tous les internautes aussi. J'espère que vous allez bien. Ce soir, j'aimerais vous lire avec vous un passage dans Hébreux, chapitre 12, les versets 1 à 3. Hébreux 12, 1 à 3. Nous lisons là, dans la version de Louis II, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. » Retiens cette version, cette phrase-là, « Ayant les regards sur Jésus. » Le chef... le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez donc maintenant. En effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ce matin, j'ai regardé le journal et j'avoue que j'ai été frappé par le fait qu'une entreprise régionale va licencier 280 personnes. Boum! Et je me suis dit, qu'est-ce que cela a fait dans le cœur de tous ceux qui depuis 10, 15, 20, 30 ans y ont travaillé et qui sentent passer le vent du licenciement. Hier, on parlait d'une compagnie française dont je tairai le nom et qui va en licencier 7500. Wow. Sans compter tous ceux qui, de près ou de loin, sont affectés par un ami malade, un mari malade, une femme malade. Il y en a parmi nous quelques-uns. Je voudrais les saluer ce soir, ceux qui regardent sur Internet et qui traversent des moments difficiles. De quoi se décourager des fois? De quoi se décourager? Et puis, si d'un côté on parle de progression salariale pour à cause de la croissance économique, etc., il y a de l'inflation apparemment en l'air. De l'autre côté, les patrons tremblent à l'idée qu'il faille augmenter les salaires parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et il peut y avoir du découragement dans l'air. Du découragement dans l'air. Et ce soir, mon thème, c'est « Prends courage ». Prends courage, quelle que soit l'étape de ta vie, quel que soit le moment que tu traverses,
ou que tu traverseras bientôt. Prends courage. Et face aux difficultés, eh bien, prends courage. Le mot courage est défini ainsi dans le dictionnaire biblique. Il est dit, courage, c'est la force de caractère permettant d'affronter danger, souffrance, revers, difficulté. La parole de Dieu est remplie d'hommes et de femmes, parfois fragiles, faibles, vulnérables, mais des hommes, femmes fragiles, faibles que Dieu a rendus forts et courageux. J'aime ce verset de Hébreux 11, 35 qui est dit, il a rendu les faibles forts. Il a rendu les fragiles forts. Ceux qui sont comme des petites sauterelles, il les a rendus forts. Et je crois que ce soir, Dieu veut nous encourager à être forts. Christ est d'ailleurs le modèle du courage. Et d'ailleurs, il est marqué là de nous inspirer son exemple pour que nous puissions ne pas nous décourager. Ne pas nous décourager face aux difficultés des fois persistantes. On peut imaginer toutes sortes de situations, je ne vais pas les énumérer ce soir, mais on peut rencontrer des moments extrêmement délicats et extrêmement difficiles. L'évangile des petits pains n'est pas l'évangile tout court. Cet évangile tout toujours du bien. Donne ta vie à Jésus et tout va être comme un long fleuve tranquille. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Regardez la vie de Jésus, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Par contre, dans les moments difficiles, il est un exemple de courage. Un exemple de courage. Et nous allons voir ce soir plusieurs sources auxquelles lui-même a puisé pour affronter les revers, les difficultés, l'opposition, l'hostilité constante de l'humanité. Et même autour de la croix, il a été hué, conspué, interpellé, moqué. Il va pardonner. Et tout ça, on se demande comment il a fait pour tenir. Et je voudrais ce soir que nous puissions eh bien, puiser en lui. Et regarder à lui à quoi il a puisé pour que nous-mêmes, lorsque nous passons des temps délicats, nous puissions être des hommes et des femmes remplis de courage. Dis à ton voisin, prends courage. Prends courage. Prends courage. Une des premières sources, elle n'est pas sur mon planning, sur mes notes, parce que ça m'est venu ce soir avant de partir au culte. Ça m'est venu à 5h30, j'ai vite noté encore des choses. Ah, j'ai un col qui est de travers. Oui, ça, merci, cher directeur de la communication artistique. Merci. Une première, c'est ce qu'on trouve dans le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée. En vue de la joie qui lui était réservée. Voyez-vous, Jésus affrontera la croix et l'ignominie de la croix parce qu'il avait en vue un but bien supérieur. La joie de savoir qu'il faisait la volonté de Dieu et la joie de savoir qu'en faisant ainsi, il allait agrandir la famille de Dieu dont vous et moi faisons maintenant partie. Il s'est dit, un jour je verrai Sam et Dominique sauvés. Un jour je verrai Jean et Suzanne et tous les prénoms qu'il y a ici en ce lieu et sur internet, je les verrai dans ma famille. C'était sa joie de les voir arriver. Et à cause de cela, quelqu'un a dit amen, merci beaucoup, ça m'encourage. À cause de cela, Jésus a affronté les pires difficultés. Un peu comme une maman qui est enceinte, et j'en ai vu de ce soir une au moins, voire deux. J'étais surpris d'en voir autant d'un coup. Mais ça, des fois, ça passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, n'est-ce pas? Ça se lève, ça vomit, ça. Enfin bref, c'est pas simple. Et après les douleurs de l'accouchement, ça c'est, je l'ai pas vécu moi-même, j'ai juste assisté, mais c'est terrible. Mais quand le bébé est là, on oublie, voilà, merci Dominique, on oublie, en vue de la joie, en vue de la joie de faire la volonté de Dieu, en vue de la joie du fruit que ça porte. En vue de la joie du feu que ça va porter, un peu comme un athlète qui va faire un tas d'efforts, un tas de sacrifices alimentaires, en termes de rythme de vie, pour qu'à la fin il puisse être dans les starting blocks et éventuellement gagner une médaille d'or aux JO. Mais c'est une joie pour lui. Et tous ces efforts ont été faits en vue de cette joie-là. C'est un peu ce que certains ont traversé dans d'autres moments beaucoup plus difficiles. Je ne sais pas si vous connaissez ce psychiatre
Viktor Frankl, un juif qui avait été interné dans les camps d'Auschwitz. Et il a subi des choses absolument horribles. Horribles. Il a toujours cherché à encourager ses co-détenus. Et souvent, ce qui tenait les détenus, c'était le fait de savoir que, parce qu'on entendait parler quand même, ils avaient des fois des bruits que les Russes allaient arriver ou que l'Amérique allait arriver et les délivrer. Et ils se sont dit, à Noël, nous serons à la maison avec les nôtres et nous allons partager une bonne dinde bien farcie. Et cet espoir-là, cette joie-là, cette espérance-là les tenait. Mais, quand tout à coup ils se rendaient compte que finalement à Noël, ils ne seraient pas à la maison, certains sont morts du jour au lendemain. En vue de la joie qui lui était réservée. Une maman enceinte qui se réjouit, traverse toutes sortes de difficultés. Je voulais parler ce soir à une maman qui peut-être me regarde sur Internet. Et j'aimerais te dire, je ne vais pas la citer, mais elle est près de chez moi. Elle est enceinte et j'ai envie de te dire, fais tous les efforts, ma belle, pour te reposer. Pour te reposer. Repose-toi à fond. Parce qu'on voudrait un jour se réjouir avec toi du beau bébé que tu vas nous faire. Amen. En vue de la joie qui lui était réservé. Frères et sœurs, des fois, il y a des moments difficiles dans nos vies. Mais vous savez quoi? C'est à ce prix-là qu'on atteint le but. Des fois, les difficultés que nous traversons sont comme un tunnel que nous traversons. Mais un tunnel, c'est le moyen le plus simple et le plus court pour traverser la montagne. Mais c'est un tunnel. Et des fois, le tunnel, quand on est allé assez loin, aller voir une fois au Simplon ou bien au Gothard, tout à coup, vous roulez, dans le rétroviseur, il n'y a plus de sortie, plus d'entrée, et devant vous, il n'y a pas de sortie. Vous n'avez qu'un choix à faire, continuer. Et il y a 16 kilomètres. Mais c'est le chemin le plus court pour traverser la montagne. Alors continue d'obéir. Parce qu'à la fin, ton obéissance va produire de la joie. Amen. De la joie, d'abord à toi et à tous ceux qui comptent sur toi. Deuxième point, rapidement. Les promesses de Dieu sont source de courage. Les promesses de Dieu sont source de courage. Écoutez voir comment Moïse et Dieu vont encourager Josué. Deutéronome 31, il est marqué au verset 23, pardon, au verset 7. Moïse appela Josué. Moïse est à la fin de sa vie. Il est à quelques semaines de rendre l'âme, de monter sur le mont. Je ne sais plus quel mont. En tout cas, il va mourir. Mais en tout cas, Moïse est à la fin du parcours. Il emmène avec lui Josué et il le présente à la foule en disant « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. » Et parce que Josué avait peut-être du mal à comprendre que finalement le numéro 2 qu'il est va devenir numéro 1, et il y a peut-être certaines craintes qui étaient au fond de lui. Le passage du bâton n'est pas toujours simple. Parce que quand on a devant soi un ancêtre, un monument de la foi, ceux qui sont derrière se cachent derrière des fois. Et on est bien derrière. Des fois on râle sur le premier, mais on est bien derrière quand même, parce que lui il prend les coups. Et tout à coup Dieu lui dit, non, c'est toi qui passes devant. Et tout à coup ça provoque des émotions, et Dieu le voit, et au verset 31, écoutez voir ce qui est marqué, c'est l'Éternel lui-même qui va donner ses ordres à Josué, fils de Nun, et il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré à leur donner, et je serai moi-même avec toi. Waouh! Dieu lui-même est obligé de lui dire à Josué, hey, je suis avec toi mon grand. Je serai avec toi. Tu feras exactement ce qu'a dit Moïse. Tu amèneras le peuple dans le pays promis que j'ai promis à tes ancêtres. Et on se dit, ça y est, Josué a compris. Quelques semaines après, Moïse décède. Moïse est mort. Et dans Josué 1, verset 5, nous lisons Dieu qui parle à Josué de nouveau. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Et on se dit, maintenant, Josué a compris. Et Dieu continue comme ça. Il dit,
Verset 7, « Fortifie-toi seulement et prends courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné, pas seulement un conseil ?» Et l'ordre, prends courage et fortifie-toi. Et ce soir, le mot d'ordre pour chacun d'entre nous, c'est prends courage. Face aux difficultés à venir, quelles qu'elles soient, prends courage. Et puise ton courage dans la joie qui t'est réservée, mais aussi dans les promesses de Dieu. C'est bon de connaître les promesses de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jean-Marie insiste tellement que ces étudiants apprennent les versets par cœur. Voyez-vous, quand on passe des fois des moments difficiles, c'est bon de pouvoir se dire et se rappeler Matthieu 28, 20. Voici, dit Jésus, je serai avec toi chaque jour jusqu'à la fin du monde. Pas seulement le dimanche matin ou le mardi, mais aussi le mercredi, le jeudi, le vendredi et lundi suivant. Avec toi tous les jours. Hébreux 13, verset 5. L'apôtre rappelle ceci, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même dit, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il te dit ce soir. Écoute bien, je ne te laisserai point, et je ne t'abandonnerai pas. Tu peux le dire autrefois à ton âme, qui voir à toi-même, Jean-Marie, dis à toi-même, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Dieu te dit, je ne te laisserai pas, et je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. La force vient de quoi ? Des promesses qu'on connaît et dans lesquelles on puise dans la méditation et on puise des forces nouvelles pour la journée de demain. Un troisième point, les expériences du passé. Je suis absolument épaté par l'histoire de David et Goliath, mais surtout, ce qui a été les raisonnements qui ont animé David pour oser aller affronter Goliath. Depuis 40 jours, Goliath, tous les jours, terrorise psychologiquement, il fait une guerre psychologique face à l'armée d'Israël. Et toute l'armée tremble. Les généraux tremblent. Saül tremble. Tout le monde a peur. Mais il y a un petit gamin là qui vient, 17 ans. C'est un petit gamin, hein ? 17 ans. Beau de figure, svelte, élégant. Et puis, mais celui-là, il vient et il dit, mais c'est qui ce bâtard-là qui fait son bruit ? Son cirque ? Mais c'est quoi ce truc-là ? Il insulte Dieu, l'Éternel d'Israël ? Mais c'est quoi ces histoires ? Mais pour qui il se prend ? Laissez-moi y aller, j'y vais. Alors il est convoqué chez Saül, et Saül lui dit, mais pourquoi tu penses que toi tu pourrais le battre ? Qu'est-ce qui te fait penser que ? Et voilà ce qu'il leur répond au verset 37. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Parce que Dieu m'a aidé à enlever, à arracher de la gueule de l'ours l'agneau qui m'avait pris et je l'ai déchiré. Et le lion qui a attaqué mon troupeau, je l'ai poursuivi et je l'ai déchiré. Alors le Dieu qui m'a aidé hier et avant-hier m'aidera aussi aujourd'hui à combattre cet infidèle. Et parfois c'est bon de se rappeler ce que nous avons vécu avec Dieu dans le passé. Parce que ce Dieu de hier et avant-hier, c'est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Récemment, j'ai visité Papa Jean et on a raconté un peu sur les histoires qu'il nous racontait pendant ses prédications. J'étais toujours épaté par ces histoires. Un storyteller. Jean, tu aurais dû faire des médias. Dans les médias, on cherche des gens comme toi, des gens qui racontent des histoires. Puis alors, on a raconté le bon temps passé, etc. Et puis à la fin de l'entretien, il me dit, ah, écoute, j'ai encore retrouvé un carnet. Il a changé de pièce et il fouillait, il me dit, moi, il me sort un carnet, il l'ouvre. Il dit, tu vois, là, c'était en Allemagne, à Gengenbach. Et là, c'était à Balingen, là, c'était à Francfort, mes hommes d'affaires, et là, il y a eu la guérison de tel et de tel. Et je voyais comment ça le faisait vibrer.
tout ce qu'il avait vécu. Et ce que nous avons vécu avec Dieu peut aussi nous servir de source d'encouragement. Et c'est là quoi ça l'a encouragé. À force de parler, il s'encourageait et il m'encourageait aussi. C'était absolument délicieux comme moment. Mais j'étais là, j'étais dans un moment absolument surréaliste. Je me laissais encourager par un monsieur beaucoup plus âgé que moi, mais qui, d'histoire, il racontait d'il y a 30 ans, mais qui quelque part aussi me laissait croire que ce Dieu-là est encore là aujourd'hui et peut faire ce soir ce qu'il a fait à l'époque. Maintenant, ce soir, ici et à distance. Je me rappelle, quand j'étais jeune chrétien, vous savez, la Bible dit dans Malachie, mets-moi à l'épreuve. Vous avez déjà vu un Dieu qui a dit, mets-moi à l'épreuve, teste-moi. Trouvez-moi une religion, où le Dieu de la religion dit à ses adeptes, testez-moi, mettez-moi à l'épreuve. Vous voyez, si je ne dis pas vrai, donnez-moi les prémices et je prendrai soin de vous. Et j'ai déjà raconté ça, mais chaque fois que je le dis, ça m'encourage. Alors je vous le répète ce soir. Je me rappelle cette histoire de pantalon. J'ai raconté ça, hein, un pantalon. Mais il y avait une autre qui m'a plus marqué parce que c'était un jour où on avait beaucoup travaillé. J'étais à Grenoble pendant 2 ans, donc quand j'étais de conscience, et on a beaucoup travaillé dans l'église à l'époque. Et je suis rentré fatigué. Et j'avais promis au Seigneur avant de partir, je veux savoir si vraiment tu es un père pour moi. C'est une chose de dire notre Père qui es aux cieux. Bon, ça c'est des... Ça ne peut être plus qu'une récitation. Mais moi je veux savoir si vraiment c'est vrai. Mes parents travaillaient en Suisse, avaient des bons revenus. Si j'avais un problème, j'aurais appelé, ils m'auraient envoyé de l'argent. J'ai dit, pendant 2 ans, je vivrai au crochet du Seigneur et du Seigneur seul. Ce qui voulait dire qu'à un moment donné, avec ma petite solde de conscience, environ 320 euros, Dieu me demande de lui donner les prémices, 32 euros. Moi j'ai râlé pendant des semaines. Je dis, mais qu'est-ce que ça peut faire 32 euros dans la caisse de l'église? Et ce verset qui revenait, teste-moi. Ok, je te teste. Et je donnais, pas toujours avec joie. J'ai changé depuis. Mais voilà qu'un soir, je me rappelle, je savais que le frigo était vide. Et je n'avais plus rien en compte en banque. Et la prochaine date de paye n'était pas tout de suite. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Donc, la journée est passée, il y avait beaucoup de travail, je n'ai pas beaucoup réfléchi. Mais le soir à 20h, quand je suis rentré, j'avais faim. Mais vraiment faim. Et je monte l'escalier, rue Courberia, et je me dis, mais... Il va falloir que tu proclames un jeûne obligatoire. Est-ce que tu n'as rien à manger ce soir? Je disais, mais Seigneur, maintenant tu es où? Mon père Joseph, qui me regarde ce soir sur Internet, je suis sûr que lui, il m'aurait sorti un bout de spack et du metwurst et un bout de pain. Et là, il n'y avait rien. Je monte l'escalier et quand j'arrive devant à la porte, il y avait 2 gros sacs en plastique de je ne sais plus quel supermarché, remplis à ras-bord de victuailles. À l'heure où je vous parle, je ne sais toujours pas qui un jour m'a fait ce coup-là. Mais ce soir-là, j'ai mangé à ma faim. Et vous savez quoi? Quand des fois j'ai des problèmes de ce type-là qui arrivent, la peur du manque arrive. Je me rappelle ce pantalon que Dieu m'avait donné à l'époque. Ce pantalon à velours côtelé, à pince, un Lee Cooper. Et je me rappelle de ces 2 cabas de course. Et comme j'ai bien mangé ce soir, je me dis, le Dieu qui m'a aidé à l'époque m'aidera aujourd'hui encore. Comme il a aidé David à arracher de la gueule du lion ou de l'ours la brebis qu'il avait volée, il était capable aussi d'aller déchirer la tête de Goliath. Donc, mon frère, ma sœur, tes expériences passées, note-les. Et de temps en temps, relis-les, redis-toi-les. Et tu verras, ça va t'encourager. Tu auras du courage et de la force. 4e point, rapidement. J'ai appelé ça
les VEP. Vous connaissez les VIP, les VIP, les Very Important People? Dans les conférences, il y a souvent des badges, comme ça, des gens qui ont des VIP. Ils ont les places d'honneur devant, ils passent, ils ont des passes droits, etc. Et on peut comprendre des fois aussi. Hein. Mais les VEP, ce sont des personnages un peu différents, plus discrets, Marie-Hélène. J'en trouve un dans Romains chapitre... Non, 2 Corinthiens 7, verset 7. C'est Paul qui parle. Et même Paul, tout Paul qu'il a été, a connu des moments extrêmement difficiles. Des moments extrêmement difficiles où il a fallu aussi que d'autres viennent l'encourager. Et je voulais ce soir vous laisser vous encourager à fréquenter les VEP, les Very Encouraging People. 2 Corinthiens 7, verset 7. J'ai affiché, non? Pardon. Tu restes là avec moi, toi. Les VEP, 2 Corinthiens 7, verset 7. On pourrait déjà lire un peu avant, le verset 5. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Je vous le relis dans cette version-là, la version parole vivante. En effet, à mon arrivée en Macédoine, je n'ai pas eu un moment de repos. De tous côtés, des épreuves m'attendaient. Autour de moi, ce n'était que combat, en moi inquiétude et crainte. Mais Dieu, le consolateur de ceux qui sont abattus m'a réconforté par l'arrivée de Tite. Notre version dit la chose suivante, mais Dieu qui donne du courage à ceux qui sont découragés nous a consolés par l'arrivée de Tite. Parole de vie, personne parole de vie. Le grand apôtre Paul, l'homme qui a encouragé des millions de chrétiens au travers de ses écrits, par les siècles. Ce grand apôtre parle de moments où il y avait des luttes dehors et dans son cœur, il y avait des craintes et des angoisses. Et comment il a fait pour retrouver du courage? Voilà ce que Dieu a fait pour lui. Il lui a envoyé un frère encourageur. Et ce frère s'appelle Tite. Et je voudrais vous encourager à fréquenter des gens qui savent vous encourager. Si d'un côté il y a les VEP, de l'autre côté il y a aussi les VDP, les Very Discouraging People. En français, c'est les GVD. Il y a les TGV, mais c'est le GVD. Le GVD, c'est les gens vraiment décourageants. Vous les connaissez ceux-là? Des gens vraiment décourageants. Le verre est pas moitié vide. Il est toujours à moitié vide. Toujours. Même quand ça va bien, oh, mais tu sais, demain, après-demain, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais enfin, profite d'aujourd'hui, quoi. Savoure l'aujourd'hui. Mais ça existe, les GVD, les gens vraiment décourageants. Quand ils ouvrent la bouche, de leur bouche sort un nuage noir. Vous toussez. Ils ont une négativité étouffante. Vous savez quoi? Fuyez-les. Le temps qu'ils se décontaminent. Et qu'ils deviennent eux-mêmes des gens encourageants. Fréquentez les Tite. Fréquentez les Barnabas. Barnabas a encouragé Paul. Tite a encouragé Paul. Fréquentez ce monsieur qui a encouragé Paul au début de sa vie chrétienne. Ah, j'ai oublié le nom. Acte 9, je ne sais plus comment il s'appelle. Ananias, un disciple de Damas. Un disciple, un simple disciple. Ce n'était pas un pasteur ni un apôtre, un simple disciple. Mais il connaissait le Seigneur et il conversait avec lui. Et quand Jésus lui dit, écoute, tu vas aller dans telle rue droite et là tu vas te rencontrer dans telle maison, Saul le Tarse. Écoute, Seigneur, tu, tu, tu,
Tu sais qui c'est, Saul de Tarse? Tu vois, c'est peut-être pas tout à fait le personnage rencontré actuellement. Il est venu pour nous mettre en prison. Non, non, pas le rencontrer. Pas lui imposer les mains. Cet homme-là sera à mon service. Il y avait des Ananias, des Tite, des Barnabas qui ont encouragé Paul et qui en ont fait l'apôtre qu'on reconnaît aujourd'hui. Fréquentez des gens fréquentables. Fréquentez des gens encourageants. Fuyez les gens décourageants. Et enfin, j'ai envie de vous dire, fréquentez le bon Dieu lui-même. Parce que la vraie source du courage, c'est Dieu lui-même. Romains 15, verset 15, la version de notre ami Louis II dit la chose suivante, Romains 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Cette version-là dit, c'est Dieu qui est la source du courage et de la patience. C'est Dieu lui-même qui est la source du courage et de la patience. Et vous savez quoi? Dieu nous invite, depuis tout temps, à converser avec lui. Parce que lui-même était en conversation avec le Père, au commencement était la parole de Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu, aussi se traduit par la parole était face à face avec Dieu. Il y avait une conversation. Et de tout temps, dans tous les siècles, Dieu a essayé de rentrer en conversation avec l'être humain. Déjà avec Adam et Ève, tous les soirs, quand la brise se faisait fraîche, Dieu descendait dans le jardin. Et avec Adam et Ève, il y avait une communion. Ils discutaient ensemble. Il y avait une proximité. Et puis ça continuait. Malgré le péché, Dieu continuait à chercher à de nouveau à reconnecter avec l'homme, avec Enoch, qui marchait avec Dieu tellement bien qu'à la fin, Dieu il l'a enlevé. Et puis avec Noé, fais-moi un bateau. Puis avec Abraham, sors de ton pays. Et puis ça continuait. Et pour que ça se fasse bien comprendre, Dieu s'est dit, moi-même, je vais venir m'incarner en homme et je vais leur parler face à face. Et après la résurrection, moi, ce qui m'intéresse, ce qui est beau à voir, c'est que Jésus continue à de nouveau entrer en contact avec des êtres humains. D'abord avec une femme, avec Marie, qui voulait venir l'embaumer. Et elle dit, Rabouni, mais... Et puis les deux disciples d'Emmaüs qui étaient là, qui se lamentaient, qui ne comprenaient plus leur monde. Tout avait été chamboulé. Et il se rapproche d'eux. Et il rentre en conversation avec eux. Et il parle avec eux. Et il les éclaire. Et puis il les renflamme. Puis je te pose une simple question. Est-ce que tu es en conversation avec le Seigneur? Est-ce que tu prends du temps avec lui pour lui parler? Tu sais quoi? Il est prêt à t'écouter et à te parler aussi. Il est prêt à te parler et à t'encourager. C'est la meilleure source d'encouragement. Quand je lis par exemple l'épître aux Philippiens, je suis toujours surpris par la joie jubilatoire qui émane de ce texte. Il y a une joie incroyable. Et souvent je me suis dit, mais comment est-ce qu'un homme qui est en prison peut écrire un texte aussi encourageant, plein de joie? Si vous creusez un petit peu, à deux, trois reprises, revient le même thème. C'est le thème de connaître Jésus. Et Philippiens 1, 21, il dit, « Christ est ma vie. » Waouh ! Philippiens 3, il dit, « Tous ces écrédits que j'ai, ma généalogie, mes ascendants juifs, ma généalogie, ma lignée benjaminique, mes études de docteur de la loi, tous ces diplômes dont je suis bardé, mais tout ça, ce n'est absolument rien. En fait, c'est même de la boue à comparer du bonheur que j'ai de connaître Jésus. Du bonheur que j'ai de connaître Jésus. Je ne peux pas vous supplier assez de prendre du temps pour converser avec lui, jour après jour. Je vous encourage à le faire. Ce n'est pas réservé à une élite, c'est réservé à chaque disciple, à chaque enfant de Dieu. Et je conclue. Les temps présents peuvent être bien pour les uns, ils seront augmentés, mais il y en a d'autres qui vont peut-être un peu souffrir. Sans faire de la prémonition, sans faire des prévisions, je dirais, sombres, n'empêche
tout n'est pas aussi rose que ça. Et donc, ça risque aussi de toucher nos familles. Quand le jour du robinet, quand le robinet de l'État sera fermé pour l'entreprise, on risque d'avoir quelques surprises quand même. Pas toutes non plus. Mais ceci étant dit, au-delà de l'économie, je veux dire, nous avons notre sœur pianiste qui atteint d'un cancer. Elle n'est pas... Je veux dire, c'est des malheurs peuvent frapper nos vies. Où vais-je trouver du courage? L'Épître aux Hébreux nous dit, fixons nos regards sur Jésus. Il a été celui, le modèle, qui a regardé à la joie qu'il y avait de voir un jour toute cette famille de Dieu devenir ses frères et ses sœurs. C'est pour cela qu'il s'est battu dans la volonté de Dieu. Il s'est appuyé sur les promesses de Dieu. Je suis venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. Il s'est appuyé sur les expériences qu'il a vécues. Il a vécu des myriades de miracles. Il avait lui aussi des gens encourageants autour de lui. Je pense à Lazare, à Marie, la sœur de Marthe. Et à Jean, l'apôtre. Des gens qui l'ont encouragé aussi. Et puis il y avait cette connaissance intime de Dieu. C'est incroyable comme Jésus passait du temps dans la prière. Début de son ministère, très tôt il partait, hein, Marc 1, 35. Au sommet de son ministère, il renvoyait la foule, il allait sur la montagne prier. À la fin de son ministère, la veille de son exécution, il passe une nuit en prière. Il conversait avec Dieu. Et du coup, il a pu affronter courageusement des épisodes dramatiques et pénibles, douloureux. Ce soir, je voudrais... vous laissez cette phrase succulente d'une traduction de ce texte par Eugène Peterson qui a écrit un Bible qui s'appelle The Message, version anglaise paraphrasée. Et il dit, fixons les regards sur Jésus, etc. Et en faisant comme lui fait, il dit la chose suivante, ça va injecter de l'adrénaline dans vos âmes. Puis ce message ce soir, puis ces exemples, injectez dans vos âmes de l'adrénaline pour pouvoir affronter demain, après-demain, peut-être des mauvaises nouvelles, ou des nouvelles moins drôles, n'est-ce pas? Prends courage, confie-toi en ses promesses, n'est-ce pas? Et tu verras la gloire de Dieu. J'invite l'équipe de musique à monter et Samuel se préparer pour la prière. Je vais terminer par un dernier exemple, une histoire de quelqu'un qui s'est appuyé sur les promesses de Dieu. Pour être sauvé. Vous savez, il y avait cette scène dans Matthieu 26-27 où il y a la crucifixion avec une croix au milieu, Jésus, et puis un brigand à droite, un brigand à gauche. Et puis les deux brigands, ils ont maudit Jésus, ils l'ont insulté, Et puis tout à coup, il y en a un qui a eu une épiphanie, voilà, une révélation. Oups, c'est peut-être pas forcément un gars comme nous, un brigand, c'est quelqu'un d'autre. Et voilà. Et voilà que ce monsieur, comme son compère, meurt. Et il arrive au port du paradis. Service d'accueil, il y a un ange. Et l'ange lui dit bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je sais rien, moi. Qu'est-ce que je fais là? Je sais rien. Mais pourquoi vous êtes là? J'en sais rien non plus. Je suis là. Ah bon, mais... Alors l'ange était tellement, tellement stupéfait qu'il a fait venir son N plus 1, son chef. Alors l'ange chef est arrivé et a dit, « Monsieur, alors, on est sérieux ici, on voudrait savoir si vous avez compris qu'est-ce que c'est que la doctrine de la justification par la foi. » Il dit, « La quoi ?» Il dit, « Bon, vous ne connaissez pas ça. Connaissez-vous la doctrine du salut ?» Jamais entendu. Alors, le chef ange dit à ce monsieur, mais enfin, dites-moi au nom de quoi, sur quelle base vous permettez-vous de vous tenir aux portes du paradis? Alors, là, il regarde, il réfléchit, il dit, mais c'est très simple. Le gars qui était sur la croix du milieu m'a dit, tu peux venir. C'est lui qui m'a dit, tu peux venir. Il m'a même dit, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Le gars
de la croix du milieu. C'est lui qui m'a fait la promesse. C'est pour ça que je suis là. J'aimerais dire ce soir que quoi que vous ayez pu faire dans votre vie, quoi que vous ayez pu traverser, quels que soient les méfaits qui vous rendent honteux, ce soir, le gars de la croix du milieu te dit encore, tu peux venir. Tu peux venir. Tu peux venir. Tu peux venir. Fermons nos yeux, courbons nos têtes. J'aimerais inviter mon frère Samuel, mon ami Samuel, à venir nous conduire dans la prière pendant un instant, en toute simplicité. Le gars de la croix du milieu a dit, je peux venir. Je peux venir. Je peux venir. Ce soir. Merci Samuel. Restons là devant le Seigneur. Fermons simplement nos yeux, recueillons-nous. Vous, chers amis qui êtes chez vous, je vous invite à vous recueillir. Nous bénissons Dieu pour sa parole. Nous bénissons Dieu pour ce merveilleux encouragement. Quelle grâce. Quelle grâce de savoir que Christ n'a pas hésité un seul instant à quitter le ciel de gloire pour venir nous secourir. Quel encouragement. Quel encouragement, quelle que soit la longueur du tunnel dans lequel tu te trouves, un jour viendra la lumière. Lorsqu'avec mon épouse, nous avions notre fils Benjamin malade, lorsque les mois passaient et que tout devenait de plus en plus difficile et de plus en plus sombre, combien de fois n'ai-je pas dit, Seigneur, je ne vois pas le bout de la nuit. Ce tunnel a-t-il une fin? Et quel genre de fin a-t-il? Et un beau jour, au moment où je ne m'y attendais pas, dans un moment de crise, dans un moment difficile, dans un moment où je désespérais, soudain la lumière est venue. Elle n'est pas venue progressivement, soudain, le lieu où nous étions s'est éclairé. Et il était guéri. Je ne sais pas quelle est la longueur de ton tunnel, mais je sais une chose. C'est que même dans le tunnel, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur ne te laisse pas seul dans le tunnel. Il n'est pas de l'autre côté du tunnel à t'attendre. Il est avec toi dans le tunnel. Et il t'accompagne jusqu'à la sortie. Ce soir, mon frère, ma sœur, peut-être êtes-vous dans la joie. Pour mille et une raisons, alors devenez l'une de ces personnes qui ont courage. Peut-être êtes-vous, et le reconnaissez-vous, une personne décourageante. Osez télécharger le nouveau programme. Celui qui laisse venir en vous la présence de Jésus. Et vous permet de penser, de regarder et de parler autrement. Peut-être ce soir êtes-vous dans le tunnel, levez vos regards vers celui qui est avec vous dans la difficulté. Je voudrais prier. Tout d'abord, prier pour les malades. J'ai une bonne nouvelle pour les malades. Jésus qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » est encore avec nous aujourd'hui. La Bible dit qu'il est le même hier et éternellement.
Mais il l'est pas seulement hier et pas seulement éternellement, il l'est aujourd'hui pour vous. Hier, il guérissait l'aveugle. Hier, il purifiait le lépreux, le paralytique marchait hier. Mais aujourd'hui, le même Christ est présent. Et j'aimerais inviter ceux et celles qui souffrent, que ce soit dans ce lieu, chers frères et sœurs, vous qui êtes présents, que ce soit devant votre écran, mettez la main là où vous souffrez dans la mesure du possible, simplement comme un acte de foi, simplement comme une volonté de dire « Seigneur, je crois ». Et si pour différentes raisons vous ne pouvez pas la mettre à l'endroit où vous souffrez, mettez-la simplement sur votre cœur ou votre tête, peu importe, mais faites un acte de foi et nous allons prier. Pendant que je parle, le Seigneur me montre une dame, vous avez une hémorragie et cette hémorragie, vous l'avez depuis plusieurs jours maintenant. Vous êtes là devant votre écran, mais totalement affaibli. Le Seigneur va vous guérir ce soir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un monsieur qui se trouve en Belgique, vous vous nommez Albert, vous nous suivez en cet instant. Vous entendez mal de l'oreille droite. Et en plus, vous avez de la souffrance sur cette oreille. Cher ami, le Seigneur vous touche en cet instant, là où vous êtes, et c'est Lui qui vous guérit. Avant même que je ne prie, la douleur vous quitte et votre oreille s'ouvre. Bénissez le Seigneur là où vous êtes. Bénissez-le. Père, je te bénis pour ta sainte présence. Je te loue pour ce moment si précieux. Précieux parce que nous avons été encouragés par ta parole. Encouragés à nous un souvenir de tout ce que tu avais déjà fait pour nous. Merci parce que dans cet encouragement et cette assurance que nous avons que tu es présent, je peux prier pour les malades. Dans ce lieu, ceux qui, Seigneur, se tiennent dans cette salle, celles et ceux de nos amis qui sont devant leurs écrans, merci de les toucher et de les visiter en cet instant. Tu es celui qui guérit. Et je te loue pour tous ceux et celles qui constatent maintenant que la souffrance les a quittés. Je te remercie pour tous ceux et celles qui, dans les jours à venir, constateront leur guérison. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu vois celles et ceux qui souffrent, mais souffrent différemment que physiquement, souffrent moralement, souffrent psychiquement, souffrent dans leurs âmes, sont accablés. Tu as dit que tu es celui qui est venu pour guérir ceux dont le cœur est brisé. Merveilleux Sauveur, toi qui es présent cet instant, touche celles et ceux dont les cœurs sont brisés, dont l'âme est languissante, celles et ceux qui sont accablés, écrasés par le fardeau. Merci pour ton intervention. Merci pour la joie que tu leur donnes. Celles et ceux qui pleurent pour un fils, pour une fille. Celles et ceux qui, Seigneur, à cause de la situation économique, sont en grande détresse et qui ne savent plus comment faire. Viens leur donner ta paix et leur rappeler que celui qui nourrit les oiseaux du ciel, celui qui compte les cheveux sur notre tête
est celui qui pourvoit tous nos besoins avec richesse et grâce en Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Et Seigneur, je voudrais terminer en priant pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Celles et ceux qui ont entendu ce message encourageant, mais qui n'ont pas encore découvert comment te parler. Celles et ceux qui ce soir ont entendu que l'on pouvait te parler, que l'on pouvait dialoguer avec toi, mais qui ne te connaissent pas, révèle-toi leur cœur. Saint-Esprit, rends cette parole vivante, viens les éclairer, permets-leur de recevoir Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur. Viens ouvrir l'esprit de leur entendement, viens ouvrir leur intelligence, viens ouvrir leur cœur, qu'ils saisissent ta présence. Je te loue et je te bénis de tout mon cœur. Merci pour ta grâce et pour ta bonté. Qu'à toi seul revienne l'honneur et la louange au siècle des siècles. Pour nous chanter « Je suis celui qui te guérit », restez dans cette sainte présence de Dieu. Il y a des moments où il n'y a rien à faire, si ce n'est juste de recevoir. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu, ton Sauveur. Je dis un mot, la maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, ton Sauveur. Pourrons-nous le dire encore une fois? Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu, ton Sauveur. Je dis un mot, la maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, ton Sauveur. Tu es celui qui me guérit, tu es mon Dieu.
gloire. Toi qui es toujours capable de délivrer. Toi qui ce soir nous a encouragés. Toi qui as dit, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Toi qui as dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Tu es présent ce soir. Et nous te rendons la gloire, l'honneur et la louange. Tu vois la semaine qui est encore devant nous, demain après demain. Père, que ce message ne se perde pas. Et que quelles que soient les situations, les événements, nous nous souvenions de ce que nous avons entendu ce soir et nous puissions nous rappeler. Tu es toujours le même et tu guéris. Et tu secours, et tu consoles, et tu relèves, et tu nous rappelles qu'à la fin de notre voyage, il y a une joie que nous ne pouvons pas même imaginer. Si la maman, comme nous l'avons entendu, va jusqu'au bout, et si la joie qu'elle ressent alors que son enfant est blotti dans ses bras lui fait oublier tout son parcours difficile, Seigneur, lorsque nous serons là, nous ne penserons plus à la terre, mais nous nous réjouirons. En vue de ce qui est devant nous, nous voulons continuer le chemin de tout notre cœur et annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui nous entourent. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement. On aurait envie de rester, hein? On aurait presque envie de continuer à adorer. Qui aurait envie de continuer à adorer? Allez, venez, on adore encore 5 minutes ensemble. Venez, on ne va pas partir. Je t'adore. Je t'adore. Je
cœur chante. Mon frère, ma soeur, élève ta voix en priant. Bénis Dieu pour ce message ce soir. Seigneur, je te bénis pour ton serviteur Claude. Je te bénis pour cette parole qui nous a fait du bien. Je te bénis pour ta présence qui nous encourage. Je te loue parce que tu as toujours été fidèle. Seigneur, dans ma propre vie, dans toutes les étapes difficiles, tu as été là. Tout au long de l'année 2020, tu as été là. Tu ne nous as jamais laissés. Même dans l'épreuve, même dans les pleurs, même dans la maladie, même dans la détresse, même dans le deuil, jamais tu ne nous as laissés, jamais. Et tu continues à nous relever, je te bénis pour cela. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Sois béni, sois loué. Chantons encore une fois. Alléluia. Permettez-vous de terminer par un vieux cantique qui me rappelle aussi cette prédication de même tonalité. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Pourrons-nous le chanter encore une fois? Il y a quelque chose dans ce chant qui dit: je sais que je verrai Jésus. Je marche pas par la vue, je marche par la foi. Il y a juste un détail: si je marche jusqu'au bout. Et dans ceci, il y a une chose qui est importante. C'est que ceci, si nous lui disons: Seigneur, je veux, ceci s'accomplira. Parce que c'est pas notre force qui va nous amener jusqu'au bout. C'est sa grâce qui va nous amener jusqu'au bout. C'est sa grâce. C'était ainsi qui dépend juste de mes efforts, alors je suis perdu. Mais si ceci, c'est juste: Seigneur, c'est toi qui m'aideras. Par grâce, j'arriverai jusqu'au bout. Alors je sais que j'arriverai jusqu'au bout par sa grâce. Chantons-le ensemble. Jésus.
et chante-lui. Sais-tu qu'un jour tes yeux verront Jésus? Sais-tu qu'un jour tes yeux verront Jésus? Si tu marches chantant, je sais, oui je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. J'ai la certitude, j'ai l'assurance, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au son nom, je sais malgré tout, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les maladies, malgré les abandons, malgré les trahisons, je sais. Bonne rentrée à toutes et à tous. C'est délicieux d'être dans la présence du Seigneur ensemble, autour de sa parole. Soyez bénis. Chers amis internautes, ne ratez pas ces moments-là. Venez.